and we trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. And we trust. Vous êtes en train de suivre toute la Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Cabanga contre Portugal. Viva o Tupamaros torcida verde. Um tema Pembe vai ganhar na terça-feira. Le Darien Uni est imbattable. Devise Mabissot. Le samedi dernier au Stade des Martyrs, il battait les Lionceaux indomptables du Cameroun dans ce match retour de ses éliminatoires de la CAN Algérie 2013. 4 buts à 1 pour les protégés de Baudouin Lofombo qui arrachait ainsi cette qualification pour la toute première fois dans une phase finale de la CAN U20. Je vois plutôt ces belles images de cette qualification. Ça y est, c'est fait pour la RDC. Le Paginot Football qui a fait l'essentiel le samedi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte face aux Lionceaux du Cameroun. Oubliez la déconvenue du match aller au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun. Les poulains du coach Baudouin Lofombo se sont surpassés pour surclasser leur adversaire du jour. À l'issue des 90 minutes, les saluts des Congolais venus de Manzaboudje à la 7e minute et à la 38e minute grâce toujours au même Manzaboudje. 2-0, les scores de la première période. Au retour, la RDC corse l'addition par l'entremise de Bukasa à la 54e minute. La grosse frayeur de cette rencontre viendra de Charles Etundi Eloudi, qui réduit la marque par les Camerounais, synonyme de la qualification des Lionceaux. Mais c'était sans côté la hargne de vaincre des fauves congolais qui, 4 minutes plus tard, alourdiront la marque par l'entremise de Pierre Botta Ibamato, parti à la limite du hors-jeu qui permet à la RDC de gagner la rencontre et de se qualifier pour la CAN U20 Algérie 2013. Le jeune U20 qualifié, il faudra désormais songer à la préparation. Les Lionceaux indomptables du Cameroun étaient arrivés à Kinshasa 72 heures avant l'heure prévue de ce match contre les Léopardos de la RDC. Et ils étaient logés au Campo Hôtel de M. Bopol Katumbayi, que nous saluons d'ailleurs en passant. L'équipe de Magali Smither a été faire un tour à ce camp de loge de Camerounais pour voir un tout petit peu dans quelle ambiance ils avaient préparé ce match ce même samedi. À 72 heures de leur match capital contre les Léopardos de la RDC, les Lionceaux indomptables du Cameroun débarquent à Kinshasa. Ils choisissent le Campo Hôtel pour poser leurs bagages. Le cadre est idéal et l'ambiance est bon enfant. Avec leur avance de 2 buts acquises lors du match aller, les Camerounais se voyaient assis confortablement dans leur fauteuil roulant vers la qualification à cette 18e édition de la CAN de moins de 20 ans. Le deuxième secrétaire de l'ambassade du Cameroun est confiant pour le match retour, mais l'on sent dans ses propos des petites réserves. C'est un sentiment d'abord de fierté, de joie pour l'accueil qui nous a été réservé. Bon, maintenant, quant à la compétition, comme tout bon citoyen, mon vœu et mon souhait, c'est de voir, n'est-ce pas, mes poulains, les nôtres, n'est-ce pas, remporter la victoire pour pouvoir participer à cette CAN, n'est-ce pas, en Algérie. Au Campo Hôtel, toutes les batteries sont mises en marche pour mettre les Camerounais dans de très bonnes dispositions avant d'aborder leur rencontre. Les directeurs techniques expliquent. Ils sont arrivés le jeudi. À leur arrivée, bon, comme on avait tout préparé, tout ça, on les a accueillis, il n'y avait pas assez de problèmes. Directement arrivé à la réception, tout le monde avait sa chambre dans 5 ou 10 minutes, ce qui a suivi leur arrivée. 5 fois finaliste et 1 fois vainqueur de cette compétition, les Camerounais voulaient à tout prix être en Algérie en mars prochain pour cette 18e édition. Mais c'était sans compter avec les protégés de Baudouin Lofombo qui leur ont gâché la fête ce samedi 6 octobre 2012 au Stade des Martyrs.
Dodi Loxen. Aris Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.